القدس وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا، لا 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 لا، لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم، لا 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 لا، لا نفديك لنحيا يا فلسطين. فلسطين بلادي نحملها. رمضان مبارك les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog pour cette occasion, pour le Ramadan, un espèce de Ramadan routine, sachant que, pour être très honnête, je ne jeûne pas, je suis exclue depuis la veille du Ramadan, ça m'arrive très fréquemment. D'ailleurs, fun fact, mais j'ai un cycle court et en général je les ai deux fois pendant le Ramadan, ce qui fait que l'année dernière j'ai eu littéralement deux semaines de jeûne, donc quasiment la moitié du Ramadan où j'ai pas pu jeûner. J'espère que cette année il en sera autrement, mon cycle a fait un petit peu n'importe quoi l'année dernière. Vu que je ne jeûne pas, je vais me faire un matcha. Je pense que vraiment le plus dur pendant le Ramadan, c'est ni la faim ni la soif, mais le manque de matcha. Ceux qui sont accros au café doivent me comprendre, je pense. Je vous retrouve ensuite, j'essaie de planifier ma journée. Je me suis acheté un petit planeur, du coup je vous emmène avec moi dans ma journée. Mohammed Nabina binuru hadina min Mecca habibi nuru. J'ai fini de tourner, de faire la miniature et de monter une vidéo YouTube, je dois la poster. À l'heure où cette vidéo sera sortie, vous l'aurez déjà vu, c'est mes favoris et mes récentes découvertes manga. Ce sont des bangers qui sont sortis en 2024. Je vous invite fortement à aller la regarder si vous kiffez les mangas. Il faut que je passe dans une maktaba pour m'acheter un livre. Pendant le Ramadan, je me suis fixée pas mal d'objectifs et un de ces objectifs c'est de lire le livre L'histoire des prophètes, que vous devez peut-être connaître. Alors c'est un livre que j'avais il y a très très longtemps, que j'ai lu, que j'ai prêté et qu'on m'a jamais rendu, et j'en ai oublié la totalité, donc je me suis dit que ça me ferait pas mal de me rafraîchir la mémoire.
Je dois aussi passer chez Aromazone parce que j'ai besoin de quelques... Parce que je n'ai plus d'hydrolat de menthe poivrée et il manque certains sérums. Pour le Ramadan, je me suis fixée comme objectif, très récemment en fait, ça date d'hier, de poster chaque jour sur Instagram un verset du Coran que je trouve inspirant et très beau pour inviter à la méditation. Et je suis assez contente de cet objectif-là. Je me suis également fixée comme objectif d'essayer de réussir à finir la lecture complète du Coran pendant le mois. Pour cela, j'ai un petit tracker, je vous le mettrai en lien dans la barre d'infos. Il est très bien fait, je l'ai chopé d'une influenceuse sur Instagram il y a quelques semaines pour me motiver à lire le Coran dans sa globalité pendant le mois du Ramadan. Je me suis acheté ce mushaf des éditions Orientica. C'est la collection Rainbow. En fait, vous pouvez trouver des Corans dont la reliure est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Il existe dans absolument toutes les couleurs. Et ce qui est bien, c'est que les pages sont aux couleurs également de l'arc-en-ciel. Et ce que j'aime beaucoup dans ce Coran, c'est qu'en fait, vous avez tous les versets qui sont en français, en phonétique et en arabe. Donc ça vous permet de vous entraîner à lire en arabe et vous avez la traduction. Ça, je trouve que c'est vachement bien et vraiment je le trouve très 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 esthétique. Si vous êtes intéressé, il est dispo sur le net, je vous mettrai un lien en barre de description. اللهم صل وسلم وبارك عليه الله. Je vous emmène avec moi, là je me rends dans une librairie islamique, essayer de trouver le bouquin L'histoire des prophètes et puis ensuite je vais aller à Amazon. شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى في محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. De retour, petit haul, retour de course. Donc j'ai bien trouvé le livre que je cherchais dans une maktaba, une petite librairie islamique sur l'île. Je l'ai eu pour 20 euros. J'espère que je vais réussir à le finir pour le Ramadan. Ensuite, je suis passée chez Aromazone. Je me suis pris ce sérum à l'acide azélaïque qui est excellent pour les peaux à imperfection et les peaux grasses. De l'hydrolat de menthe poivrée que j'utilise en lotion et des recharges de sérum à l'acide glycolique et à l'acide hyaluronique que j'utilise au quotidien, que j'aime beaucoup. Et je suis passée en pharmacie m'acheter du millepertuis qui est un excellent antidépresseur naturel. Je vous ai fait une vidéo complète dédiée sur le millepertuis, preuve scientifique à l'appui si vous ne l'avez pas vue. Que vous souffrez de dépression ou de stress, d'anxiété, je vous invite à aller la regarder. Le millepertuis a démontré ses preuves de façon scientifique et il est utilisé comme antidépresseur en Allemagne et dans d'autres pays tellement il est efficace. L'intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout d'effet secondaire. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي اشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على
كتفك وانا يا حبيب الله وانا شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى في محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجم متاه خيرت الدنيا فعيني تحلى بصفاته يا بخت اللي افتلو